griots. Et c'est le rôle des griots, peut-être, c'est de chanter aussi, et de compter, le gardien de l'histoire, tout ça, etc. Mais bon, quand on est né chanteur, où on a envie de chanter, où la chanson nous a choisi, si les gens viennent nous écouter, et où les gens viennent nous voir aussi, nous on devrait toujours faire en sorte que ces gens-là, au moment de partir, qu'ils puissent apporter la bonne parole. Hein. Et voilà, donc ça, on le retrouve sur le disque. Beaucoup de surprises dans cet album. Un, c'est avec François Verly, c'est un percussionniste. Ça mixe aussi le morceau qui est très happy, mais aussi la pièce dans le monorhome qui est très calmé, comme Sira et Amanke Jante, mais aussi un morceau qui peut-être plus trouve un peu de trucs de jazz, mais aussi de Inde. C'est vraiment c'est un grand développé et je suis très content d'être participé dans ce voyage. Merci. À la limite, on sait pas ce qu'on va jouer. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va le découvrir ensemble et on va le faire ensemble. Alors peut-être que ça demande de faire peut-être plusieurs fois une version et puis après on choisit, mais dans tous les cas, ça reste très très spontané. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu comme en Afrique, ça me rappelle les concerts et les tournées que j'ai fait avant avec différents groupes. Et c'est comme ça que les rencontres se font et que finalement la spontanéité reste la chose la plus importante. Et c'est ça qui donne une vraie musique. Papa, ciao, ciao. Papa takuwa mwa, papa bye bye, mariwo. Papa chao chao, papa takuwa mwa, papa bye bye. Mario.